Bonjour les lions. Alors pour votre mois de janvier, pour le domaine affectif, le domaine amoureux, le domaine donc des sentiments, j'ai donc effectué un tirage. J'ai utilisé Améthyste Love Oracle, les cartes du sortilège amoureux et pour finir une carte avec le cirque divin. Donc voici pour vous les lions pour votre mois de janvier. Pour certains lions, il est question du retour d'un ex-partenaire, retour à une situation passée. Si vous êtes en séparation ou si vous attendez le retour donc de quelqu'un, d'un partenaire, donc il est possible en janvier qu'il y ait un retour. À noter également pour les lions qui ont un projet de grossesse ou un projet ou une naissance, janvier donc est un très bon mois, un mois favorable. Pour les lions aussi qui sont dans l'attente d'un message, l'attente d'un coup de téléphone, d'une prise de contact, donc d'une personne qui se serait éloignée d'eux ou dont la vie vous aurait éloigné. Ceux qui donc attendent des nouvelles, malheureusement, ça ne viendra pas. Malheureusement, il n'y aura rien en janvier. On vous dit non. Pour faire bouger les choses, pour faire avancer, évoluer votre situation affective, votre situation amoureuse, il est clair que ça devra passer par vous. C'est vous peut-être donc qui devrez prendre les devants plutôt d'attendre que l'autre personne donc fasse un pas ou se manifeste. Pour certains lions, je dis bien pour certains lions, ceux qui sont en attente d'évolution, de messages, de prise de contact par rapport à une personne ou qui souhaitent faire bouger, évoluer positivement leur relation vers par exemple un projet de vie commune, par exemple une grossesse, par exemple emménager ensemble, prendre un logement ensemble. On vous dit que le mois de janvier, ce sera non. On vous dit où la personne ne sera pas décidée, où rien ne bougera, où ça ne se fera pas pour X ou Y raison. Ce n'est peut-être pas le bon moment, ce n'est peut-être pas la bonne personne. Pour certains, par exemple, certains lions qui ont fait part à leur partenaire, à leur conjoint, de leur envie donc de projet de vie commune, de leur envie de fonder une famille, de s'installer ensemble, d'avancer dans la vie ensemble, peut-être que leur partenaire va être un peu réfractaire. Pour certains lions qui ont vécu une séparation plus ou moins récente, qui sont peut-être en pause dans leur relation, qui ont vécu une coupure, il est donc possible qu'en janvier, la relation, l'histoire donc reprenne, revienne sur des bases peut-être un peu plus solides, avec des projets plus sérieux, plus stables. On vous dit ici aussi, vous recevrez prochainement une lettre d'amour ou un gage d'affection, un bouquet de fleurs, un anneau, voire quelque chose de plus précieux encore. Ce cadeau inattendu pourrait vous être offert par la personne que vous aimez, bien que ce ne soit pas vraiment dans ses habitudes. Donc peut-être pour certains lions que vous êtes attiré, que vous êtes dans l'attente donc de quelqu'un qui n'est peut-être pas accessible ou que la relation s'est terminée. Pour vous, je dirais, en janvier, il va y avoir des discussions, des prises de contact. On va vous contacter, on va chercher donc peut-être à vous téléphoner, à vous contacter par SMS, par message, par mail, peu importe. Peut-être donc que l'autre personne va mettre ses conditions, sera peut-être un peu réfractaire à certaines choses par rapport à votre éventuelle relation, par rapport à votre relation ou votre relation passée, par rapport à l'histoire en commun que vous pouvez avoir. Cette personne peut donc être un peu réfractaire, vous mettre un peu dans le doute, vous mettre un peu dans, être un peu négatif par rapport à l'histoire, à la suite de votre histoire. Mais quoi qu'il en soit, il y a une évolution. Tout ceci dans le mois de janvier. Une évolution positive. Une fois que tout est posé à plat, une fois qu'il y a eu des contacts, des discussions, des choses que la personne peut-être vous a dit qu'elle ne souhaitait pas ou qu'elle ne souhaitait plus, qu'il y a eu vraiment une mise au point. Après, vous pouvez peut-être repartir sur des bases plus saines, des bases plus solides et donc avancer dans votre projet de vie commune. Alors, il convient de dire aussi que c'est peut-être vous qui êtes réfractaire à cette histoire. Peut-être que c'est vous qui allez mettre vos conditions pour la reprise donc de cette histoire. C'est ou l'autre partenaire ou l'autre personne ou c'est vous. Peut-être que c'est vous qui allez faire une mise au point, qui avez besoin de clarifier certaines choses dans une histoire ou certaines choses avec une autre personne. Donc peut-être que ça provient de vous avant donc de repartir sur des bases saines, que vous devez donc clarifier, dire vos pensées, dire ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Voilà, donc peut-être qu'une autre personne, peut-être qu'un partenaire, qu'un conjoint,
qu'un ami, enfin quelqu'un pour qui vous portez de l'affection ou de l'amour, va chercher à vous convaincre, va chercher à vous attirer, va chercher à vous captiver. Alors ensuite, la carte qui est sortie pour vous avec le cirque divin, vous avez la prêtresse Stampouk, donc pour le mois de janvier. La carte, elle vous dit 1, 2, 3, je crois ce que je vois. 4, 5, 6, la vérité se cache derrière les escroqueries. 7, 8, 9, clarté divine éclot et sort de l'œuf. Vous verrez ce que vous devez voir au parfait moment, cela ne sera point illusoire. Les apparences peuvent décevoir et pourtant lorsque le moment est là, une intuition perspicace s'initie à travers l'illusion et la vérité saute aux yeux. Il s'agit là de la perception de la réalité qui se cache derrière l'illusion. Vous le comprenez lorsque vous l'expérimentez et vous savez que vous devez croire à ce que vous voyez. La carte, elle vous dit, la prêtresse Stampouk agit comme un rappel pour que vous restiez concentré sur ce qui vous importe, afin de ne pas perdre votre précieuse énergie, soit en vous inquiétant de ce qui pourrait mal se passer, soit en essayant de régler vos problèmes dans votre tête. Faites confiance à ce que vous voyez. Voilà donc pour vous, les lions, pour donc le mois de janvier. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.